Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio. On reprend où on s'est arrêté. Entre-temps, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage, hein, que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest, un peu partout. Donc, normalement, on devrait être un poil plus tranquille. Il y a encore quelques bases dans la pollution, mais plus énormes, et qui sont assez loin. Donc j'espère qu'on devrait être un peu tranquille. Et surtout, on a libéré le gros espace plein de fer là. Et ça, c'est cool. Donc on va aller s'occuper de ça tout de suite. Hop! On va, comme d'habitude, pas conduire le train soi-même, c'est un coup à faire des bêtises. Hop, on va demander d'aller pas loin et on va directement commencer à setuper la base qui va miner du fer. Parce que là, on est vraiment, vraiment, vraiment en dèche de fer. Hein. Si on regarde, hop, voilà, il doit y avoir, voilà. Il y a eu une livraison il n'y a pas très longtemps, mais elle est déjà partie. Là, il y en a une qui vient d'arriver. C'est pareil, ça va pas durer longtemps et en fait, c'est juste que bah, il y a de moins en moins de mines qui marchent ici. Hein. Ça commence à être compliqué. J'ai un peu enlevé toutes les mines qui étaient terminées, enfin les foreuses qui ne minaient plus. Et ça a même enlevé une ligne entière, enfin bref, voilà. C'est plus foufou, donc on a vraiment besoin de beaucoup de fer. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Hop, ici, manuel, toc. Ok, donc il va nous falloir un endroit pour mettre notre station, qu'on va d'ailleurs aller copier de l'autre, hein, comme ça sera plus simple. Hop, hop. Prendre exactement tout ça, voilà, pouf. On a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Hop, ça, on va le mettre quelque part par là, hein. Toc, ça me paraît pas trop mal. Comme ça, là, on peut faire notre sortie ici direct. Poc. Hop, hop. Voilà, déjà ça. Voyez. J'ai amené bien entendu le train de construction parce que bah, on va avoir besoin de beaucoup de ressources pour construire tout ça. Hop. On va pouvoir tranquillement mettre ça là et câbler comme il se doit pour avoir accès à tout le réseau qui n'est pas là, donc il doit y avoir eu un loupé en amont. Donc on va essayer de s'occuper de ça. Allez, petit robot. J'ai pas dû câbler au niveau du T, je pense. Là, j'ai dû. Voilà, tout à fait. Donc bon, on va commencer par aller faire ça. Hop. Ça aurait été trop simple si tout avait marché du premier coup. Hop, en attendant, on va relancer la recherche. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de rechercher maintenant, sachant qu'on n'a pas énormément de sciences blanches, je pense. Hop. Ah oh, si, ça va. C'est la jaune visiblement qui limite pas mal, donc bon, bah, allons-y. Donc, bah, la productivité c'est cool, les robots c'est cool, bon, porter des obus j'ai déjà trop fait, ça coûte très très cher. On va faire tranquillement vitesse des robots, vous voyez, puis productivité minière. Hop. En attendant, on va aller câbler notre petit. Enfin, j'aurais pu le faire en partant aussi, cela dit, mais bon. Tant pis. Et surtout, il va falloir bah, mettre en place toutes les foreuses et acheminer tout ça à la base pour qu'on puisse avoir accès à tout. La question, c'est est-ce qu'on va faire une seule ou deux gares en fait. Hop. Comme ça, on va tenir. Oh. Se calmer là. Ok, là est tout le monde. Est-ce qu'on veut faire une seule ou deux rangées? Parce que on va pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de foreuses vu qu'il y a beaucoup de patchs disponibles dans cette zone. Donc ça vaut peut-être le coup de mettre deux rangées entières. Parce que vous voyez, on va avoir, hop, là, ça, 13 millions, 20 millions. Donc ouais, je pense qu'on va pouvoir se mettre deux rangées complètes. Ça va prendre de la place, ça va faire une grosse station. Ouais. On est un peu là pour ça, faire des gros trucs. Hop. Hop. Toc. Et donc ça ferait toc. Là, poc, poc. Là, est-ce qu'il y a bien feu? Je m'en rends pas compte. Hop. Non, il n'y a pas l'air. Donc on va le mettre là. Toc, toc. Voilà. Et là, on va manquer de plein de choses, dont des coffres, visiblement. Mais je sais pas si on a des coffres en fer dans le train, cela dit. J'ai pas masse de fer non plus. Bon, de toute façon, au pire, on n'arrivera probablement pas à tout, donc on n'arrivera probablement pas à tout construire.
D'ici là, faut pas non plus trop rêver. La question c'est ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut mettre le balanceur? Est-ce qu'on veut le mettre là? Ou pas? Réfléchissons. Le gros va venir quand même d'ici, donc je pense qu'on va plutôt mettre le balanceur derrière, ouais, comme ça c'est très bien. Donc là maintenant, faut juste réussir à mettre notre. Cette fois-ci, on va mettre une voie de garage. Oh, mais. Sinon, bon, ils ont juste grignoté un bout de mur, c'est pas très très grave. Et encore, ah, il y a des bêtes qui repoussent ici déjà. Ça va vite. Hop, donc c'est pas grave. En attendant, on va faire un peu de place. Toc toc toc. Là, bim bim bim. Donc, comment est-ce qu'on gère notre voie de garage? Je ne sais pas trop. Hop, ça prend quelle place? Comme ça par exemple. C'est comme ça plutôt. Ok, donc ça par exemple on pourrait le mettre là. Tout activer le report. Pif. Et la question c'est est-ce qu'on peut. Rejoindre les deux morceaux. A priori, oui. Hop. Hop. Et voilà, là on est pas mal. Donc, eh ben, allons-y pour ça. Ça va permettre de faire un peu de place dans mon inventaire, environ tous les rails que je trimballe depuis longtemps. Hop. Allez, on s'arrête pas en si bon chemin. On continue. Ça, on n'en veut pas. Ok, donc là on a quand même une bonne partie du boulot de fait, enfin pas du boulot mais de la planification on va dire. Hop, ça, on va caler ça comme ça, poc. C'était tout juste, hein. Ok, on termine sans speed, voilà, très bien. Ok. Là déjà, on peut mettre des trains qui vont rouler. On a besoin de bras robotisés, de coffres en fer. Alors donc coffre, je disais que coffre, on a mis que de l'acier ici, ça va pas, donc il va falloir changer ça. On a besoin de bras. Hop, bah lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poc, poc. Hop, on va prévoir ça là. Il faudra penser après, par contre, à remettre. Des coffres en fer de l'autre côté, ça c'est pas impossible que j'oublie, mais on va dire que non. Alors, sinon, on pourrait mettre des coffres en acier partout aussi, hein, ça serait tout à fait possible. Hop, là, on place tout ça là. Oh, allez, on va pas s'embêter, ça va pas changer grand-chose de toute façon. Si, parce que ça semble débrancher les trucs, parfait. Très pratique ça. Toc 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 toc. Hop hop. On va copier-coller tout ça, comme ça on sera tranquille. Bien prendre les poteaux pour avoir les câblages qui vont bien avec. Hop, 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 et hop. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, on a deux stations prêtes à tourner, qui n'attendent plus que, bah, qu'on y amène du minerai de fer. Donc, là, on va mettre le balanceur ici. Parce qu'on va voir la place. Parce que, mine de rien, c'est ça, ça prend pas mal de place, hein. Hop. Voyons voir. Balanceur, balanceur, balanceur. C'est 16. Il y a celui-là, il y a celui-là. Celui-là est un poil plus compact, je crois, mais un peu plus cher. Mais oui, ça passe largement. L'idée, ce serait de le mettre là. Et comme ça, on pourrait avoir tout ce dont on a besoin. Toc. Il va me manquer beaucoup de ressources, bien entendu. Mais c'était prévu.
Hop, de toute façon, on va aller se refaire un petit plein, tout simplement. Toc, donc, il va me falloir beaucoup de ça, et un peu de ça, voilà. Terme très précis, hein, toujours. Hop, il va me falloir des foreuses à balles aussi, je pense. Et de toute façon, on va pas avoir assez pour de souterrain, je pense, pour tout ça. On n'en a que 200. Ne pas être assez pour toutes les foreuses qu'on va avoir à poser. Mais bon. Au moins, le balanceur est là. C'est déjà ça. Toc. Toc, 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 toc. Oula, bon, ça, c'est un peu too much. Ok. Donc, ensuite, on a besoin de faire passer tout ça, forcément, de l'autre côté des rails. Donc, on va se faire un petit truc comme ça. Voilà. Mais. Ouais, à cause des rails, on va pas pouvoir, forcément. Donc, on va se les faire deux par deux. Oui, parce que les rails ne snapent pas sur la même grille que les autres éléments. Donc, ça limite un peu les endroits où on peut poser des rails. Toc, 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 toc. Allez là. Et il reste les quatre dernières qu'on va pouvoir replacer comme ça. Toc, toc. Et voilà, on va y arriver. Touc, touc. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, il reste plus qu'à réellement. Ah, il manque quelque chose quelque part. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. Là, il manque encore pas mal de coffres. Hein. Hop. Allez, zouf. Oui, ça va être assez. Ça va être assez. Ok, donc je disais, maintenant il reste plus qu'à poser les foreuses. Hop. On va pas s'embêter. Là, ça couvre bien tout le monde. A priori, on est bon. Paf. Paf. Ah, il me manque des poteaux électriques. Super. Déjà, rien que ça m'a grignoté une bonne trentaine de souterrains, donc on va clairement pas avoir assez pour faire tout comme ça, mais bon, si déjà on peut en faire un petit peu, ça sera déjà cool. Par contre, il va falloir pousser un peu le train si on veut que les autres trains puissent arriver. On disait oui, hop, électrique en pointe 2, comme ça sera là. Donc là, j'ai plus de souterrains du tout, j'ai pris toutes les foreuses de toute façon, donc on est bon. J'ai pris aussi tous les convoyeurs, hein. Oui. Donc on va clairement avoir besoin de refaire un petit aller-retour à la base, mais bon. Hop, hop, voilà. On construit bien tout. C'est bon. Après, c'est bon. On va. Hop, hop, voilà, comme ça va miner. Et là, on va déjà avoir quatre lignes qui sont dans le mauvais sens, forcément. Bien joué, Julien. Hop. Ça va être plus vite de tout renverser ou est-ce que ça va être plus rapide de. Hop, hop, hop. Ok. Légère perte de temps, hein, mais bon. Pas la fin du monde, on va s'en sortir. J'ai un peu la flemme de me retrouver avec 3 millions de tonnes de minerai de fer dans les poches. Donc on va plutôt faire ça. Hop,
Hop. Hop. Donc là, ça c'est bon. Et là, il n'y a plus qu'à inverser cela. Et alors, là, on est bon. Ok, donc, on disait tout ça, il va falloir l'acheminer là. Déjà, pif. Ici. Et là, on va se faire un petit angle droit. Poc. Toc, voilà. Allez, robot, on s'active. Plus que ça. Il manque la vitesse des robots ouvriers n'arrive encore améliorée. Comme ça ira encore plus vite. Ok, donc on a là. Et ben voilà, j'ai plus du tout de convoyeur. Donc on va juste envoyer celui-là et on va aller refaire un petit tour à la maison pour aller recharger tout ce petit monde. Hop. Ok. Donc là, j'espère qu'avec un seul voyage, on pourra ramener assez. Je vais aller aussi reprendre des, s'il y en a dans les coffres, des convoyeurs dans mes poches. Comme ça, on aura un peu plus de stock que ce qu'il y aura dans le train. Parce que là, on fait quand même une très très grosse base, donc c'est pas étonnant que ça ne soit pas suffisant un seul train de construction pour alimenter tout ce petit monde. Mais bon, c'est ça, de construire grand aussi, hein. Écoutez, il faut assumer ses ambitions, hein. On a besoin de beaucoup beaucoup de ressources. Faut aussi penser tant que j'y pense, donc heureusement. Mais à mettre un coffre en fer, enfin une livraison de coffre en fer. Hop, arrête-toi là. Voilà, toc toc toc. Ça va y en avoir une petite blinde. Hop, et donc là, 150, on va prendre. Il y avait besoin de moins que ça, il y avait besoin plus que de 100, je crois. Hop. Et là, on a besoin de 50. On va se mettre là tant qu'à faire. Voilà. Ça ira tout ce qu'il faut. Pendant que ça se remplit, on va aller se remplir encore un peu les poches. Bon, là, j'ai une blinde de foreuse, donc ça va aller. Tout ça, on va s'en débarrasser. Hop, pas besoin de cette pierre. Et c'est surtout les convoyeurs et les souterrains qui vont nous poser problème. Hein. Les convoyeurs, on va pas aller beaucoup plus loin. Putain, par contre, il y a plus de stock. Pif. Ok. Bon, on va espérer qu'il y a assez dans le train niveau souterrain pour s'en sortir. Hop, là, ça remplit encore ça. Bon, petite minute. On va faire le transport nous-mêmes, ça sera plus simple, je pense. Bon, en fait, c'est largement bon, c'est juste le temps de remplir dans le train. Ok, bon, bah, faisons ça comme ça, on va être tranquille. Pif. Ok. Retour. On était. Et espérons pouvoir commencer à bien remplir. Donc, c'est ça l'avantage de ce système de train, hein. C'est que là, j'ai pas du tout à modifier tous les trains qui acheminent du métal. C'est le réseau qui va les envoyer là où il y a du fer dispo dans des stations. Donc là, je peux rajouter des stations sans modifier les trains du tout. Et ça, c'est très pratique. Surtout quand on va commencer à avoir beaucoup beaucoup de trains qui vont, par exemple, de trains qui vont transporter du fer. On va en avoir beaucoup, hein, je pense. Et ben, au moins, dès qu'on rajoute des nouvelles stations, les trains iront automatiquement. Il n'y a pas du tout à modifier les trains. C'est très pratique. Ok. Hop, attends là. J'ai conscience que ça va très vite bloquer les trains de rester bloqués ici. Mais pour l'instant, on n'achemine pas tant de fer que ça. Donc, d'ici à ce qu'une station soit pleine, on a encore un peu de marge. Hop, hop, hop. Hop.
très bien placé ça. On est bon, on est bon. Hop. Et hop. Ok, donc ça au moins, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe? Bon, toujours pareil. Maintenant, la partie drôle commence ici. Là, il va y avoir de quoi faire. Mais alors, beaucoup, beaucoup. Hop. Donc ce coup-ci, on va essayer de le mettre dans le bon sens, hein, histoire de pas se piffer comme l'autre fois. Voilà. Donc l'a priori, le plus loin qu'on puisse aller, c'est comme ça, oui. Hop. Et donc là, on va vouloir faire un truc un peu comme ça. Et très vite, enlever ce qui déborde. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les robots de petits instants. On va faire sauter ça parce que ça me gave. Hop, donc là on n'a pas besoin de ça. Voilà, voilà. Là on est bon. Donc là on fait un petit coup là et un petit coup pour enlever les falaises. Ok. Celle-là aussi on peut la laisser. Ok, c'est parti. Donc déjà quand ça, ça a tourné, ça a déjà produit beaucoup, beaucoup de fer. Hein. On est bon, tout le monde, non, pas tout le monde est là. Hop. Ok, là ça semble être pas mal. Donc maintenant, on va ramener ça ici. Toc. Toc. Hop, et enfin. Une ici. Et voilà. Déjà on va alimenter comme ça commence à se remplir. Hein. Hop. Qu'est-ce qui va être le plus simple? Comme ça. Hop. C'est bon, ça arrive. Ok, là on va commencer à avoir un petit peu de rentrée de fer. Par contre, je suis en train de me dire que celle-là, là à droite, il n'y a carrément pas besoin de 4 lignes. Donc on va merger ça en seulement 2. Hop, parce qu'à un moment, pas non plus que ça à faire. Toc, toc, voilà. Ça va permettre d'être un peu plus économe. Hop, tout ça, on va pouvoir enlever. Toc, allez, robot. Hop, hop. Hop, hop. Ok. On va faire ça comme ça, ça va aller plus vite. Toc. C'est pas le tout, mais là on n'a même pas commencé à aller chercher du côté des grosses fournées, donc c'est important de garder des lignes de dispo. Et là peut-être même que ces deux-là on pourrait les merger. Réfléchissons, enfin réfléchissons pas, non, comptons. Hop, on a pour l'instant une production de 0,5 par seconde. Ok, donc là sur ces deux trucs-là on produit combien? 60, donc 30 par seconde, donc oui, non, ça, ça tient largement sur une seule. Ça devrait tenir sur une seule ligne ici, je pense. Et là, c'est pareil, je sais pas si on en a 60, donc tout ça, ça pourrait tenir sur une seule et même ligne en fait, non? Hop. 77, c'est un peu plus, ça va faire plus 35, mais ouais, il y a moyen que ça tienne sur une seule. Donc, faisons ça. Toc. Ok, donc on va merger ces deux-là. Hop là. Mais non, ça se merge un cran au-dessus. Je suis bête.
Ok, comme ça on va utiliser beaucoup 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 moins de lignes juste pour ces quelques stations là, parce qu'il faut bien voir que ce n'est que le début. Hop, 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 et là, hop, et là, hop, voilà. Là, déjà c'est nettement plus compact. Bon là c'est peut-être un poil trop limite pour mettre tout sur une seule rangée, mais bon. Ça fait quand même pas mal le taf. Ah, ben voilà, on a déjà bloqué les trains. Donc on va aller se ranger bien tranquillement. Toc. Sur une voie de garage. Comme ça, on sera tranquille. On ne gênera personne. Hop. Voilà. Et comme ça, on va enfin pouvoir amener beaucoup plus de fer à la base. Parce que ça commençait à devenir vraiment urgent. Donc on continue. Hop, donc dans le bon sens, oui, a priori on est bon. Toc, on va tout de suite enlever ça. Ok. Ah, cassé, comment ça cassé? Oh, qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous pouviez pas aller exactement où il y avait les toiles, non? Hop. Hop. Là, on va tout de suite enlever tout ce bazar. Non, c'est bon, arrêtez-vous. Hop, pas besoin de tout ça. Ça, pas besoin. Poc, poc, et poc. Voilà. Ah, étonnamment, on a assez de ressources pour construire tout le monde. Il manque, j'ai dû enlever une. Bah, celle-là est déjà finie, comme ça se fait. Hop. Il a l'air de manquer un truc pour alimenter ici. Est-ce qu'on peut faire les deux? Non, ce serait trop simple. Pof, pof, pof. Voilà. On est pas mal. Et donc, bah là, pareil, on va. Hop, sauf que ça, il faut que ça remonte ici. Pif. Donc, ça, on va l'enlever comme ça. Hop, ça on va le merger comme ça, voilà, pof. Ok, donc là déjà on est. Bon, ces deux lignes-là, il y a beaucoup plus, donc celles-là on va peut-être les laisser direct en fait, hein, ça va être plus simple. Ouais. Hop, hop, voilà. Par contre, ces deux-là, on va les merger parce que sur celle de gauche, il n'y a vraiment pas grand-chose. Toc. C'est bon, j'ai un problème avec l'essence aujourd'hui. Hop. Voilà, faire tourner très tôt, comme ça, on ne va pas gêner la suite. Toc. Ok. Donc là, déjà, ça devrait commencer à produire du métal assez vénère, enfin du fer. C'est bon, on arrive déjà à des trucs épuisés, c'est fou. Non, mais il y a à peine de commencer. Ok, donc là on voit que ça tourne, toutes les lignes, à part celle-là qui est un peu pleine, toutes les autres tournent pépère. Ça commence à remplir sérieusement du train, ça c'est cool. Où est-ce qu'on en est ici? Tuk tuk tuk, ils sont où les trains? Ils sont là. Hop, pas assez pour maintenir à flot le truc visiblement. Ah mais l'autre, ouais, l'autre est là-haut. Ok, bon, je pense que ça va peut-être falloir rajouter des trains, je pense. Est-ce qu'on a encore assez de ressources pour espérer pouvoir brancher un peu les autres? Oui, a priori ça devrait le faire. Hop, je sais pas si on va pouvoir tout faire, mais ça devrait pouvoir faire une partie. Hop. Donc c'est bon, on est dans le bon sens, oui. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Hop, on va se laisser un peu de place pour être tranquille. Et pour être sûr d'aller tout chercher. Ok. Pourquoi il commence toujours par la fin, c'est fou quoi.
Ok. Donc, a priori, on est pas mal. On n'a plus de foreuse. Qui eût cru qu'on aurait commencé par ne plus avoir de foreuse. Hop, on va aller voir s'il en reste un petit peu dans le train. Je sais pas si on a refait beaucoup de stock, hein, mais bon. On peut toujours espérer. Bon, si, il y a plein. Parfait. Là, niveau souterrain, on est en dash aussi. Niveau poteau électrique, on n'est pas bien non plus. Hop. Voilà. Ça, on va avoir de quoi reprendre. Comme ça, on va faire plein 2 secondes, ça va se vider, pas de soucis. Hop, ça n'alimente rien. Hop. Allez, petit robot, on fait son boulot. Et en fait, bah, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir vite fait ça hors ligne à brancher. Parce que bon, là, c'est plus transcendant ce qui va rester à faire. Hein. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!